Ce matin, c'est Pâques et Rose vient gentiment me le rappeler. Je lui fais un gros câlin et je me rappelle que j'ai complètement oublié d'acheter des chocolats. Mais je me suis rappelé que j'avais acheté des figurines Disney de Rebel. Les enfants peuvent collectionner leurs personnages préférés. Pour la faire patienter, elle ouvre sa première maison avec des figurines surprises. Elle y découvre tous ses personnages préférés. Elle me remercie en me jetant les papiers dans la figure. Sympa le réveil. Pendant qu'elle est occupée avec sa maison, je décide d'aller cacher les autres figurines. Mais vu le temps qu'il fait, je préfère les cacher dans la maison. Je choisis des cachettes ni trop compliquées ni trop faciles et je croise les doigts pour que les chiens ne les trouvent pas en premier. Une sous la table basse, pendant qu'elle joue avec ses figurines translucides ou qui changent de couleur. Une autre sur le fauteuil à bascule, vachement original, et la maison derrière les fleurs. Et c'est parti, la chasse peut commencer. Elle trouve assez rapidement les premières figurines, et pendant qu'elle galère un peu à trouver les autres, je prends mon petit déjeuner bien tranquillement. Elle trouve ensuite la deuxième, elle passe je sais pas combien de fois devant la troisième sans jamais la trouver, pour enfin finir par la trouver, elle trouve enfin la dernière maison et une partie des personnages de la collection. Ses préférés, c'est Blanche-Neige et la Reine des Neiges. Ma princesse s'est retrouvée transportée dans l'univers Disney. J'ai sauvé sa journée, son bidou et mon petit déjeuner. Bref, vive les Dorable.